Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Vous êtes bien sûr dans votre émission Zonar. Nous avons le plaisir de recevoir bien sûr un groupe de jeunes, bien sûr, encadré par Lil Bipiano et Bukundu Wahangi. Voilà, déjà, ils vont nous parler de leur parcours et tout ce qu'ils font parce que voilà, ce sont des jeunes, pas trop jeunes même, mais voilà, ils font déjà bien leur boulot. Donc, nous sommes avec Keren Baloumé. Bonjour, Keren. Ça va, Keren? Ça va bien. Voilà. Alors, Keren, tout le monde, on a guitare. On a bien joué à la guitare. Haïko Ça fait combien de temps non conformé? Depuis 7, donc quand j'avais 7 ans. Quand tu avais 7 ans. Oui. C'était facile de t'adapter? Oui, un peu facile. Ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, n'importe quel rythme, tu peux jouer ça avec ta guitare. Oui. D'accord, voilà, nous sommes aussi avec. Dis-moi un peu, pourquoi simplement la guitare? Ou alors le la guitare ou carrément, mais pourquoi faut ni chercher quoi imposer ça? Ou apprendre la guitare? Ah ouais, important. Nous sommes aussi avec Marie Chemati, voilà, qui fait l'islam. Ça va, Marie? Ça va. Voilà, pourquoi aussi, pourquoi l'islam aussi? Parce que Ouais. l'islam, tout d'abord, c'est ma passion. Ouais, parle un peu au micro. Parce que l'islam, c'est ma passion. Ta passion, Oui. parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait donné ce goût-là de faire l'islam. Bon, c'est celui qui m'a donné le goût de faire l'islam, surtout Ouais. les slameurs de Goma. Ah ouais, tu écoutes vraiment les slameurs de Oui, Goma. oui. D'accord. Tu es aussi formé par Lilbi. Non, je suis formée par Bukondo Bukundu, ou ouais. Hangi. D'accord, voilà. Nous sommes aussi avec Jemima, la grande sœur de Keren, c'est ça? Ouais. D'accord. Et toi, tu fais quoi précisément? Je fais aussi l'islam. L'islam. Oui. Très bien. Alors, on va présenter aussi les amis. On t'appelle comme un vieux par le micro. Moi, c'est Gloire Accenti. Gloire Accenti. Voilà, tu joues aussi à la guitare. Oui, j'ai joué la guitare. À part la guitare, tu fais quoi encore? J'essaie de chanter. Ah, ok. Tu sais. J'essaie. D'accord. Voilà. Et puis, notre ami, le pianiste, les noms, c'est. Chadrian Kemal. Fais un peu descendre, pas s'il te plaît, sur le petit micro. Voilà, le nom c'est Shadraka. Oui. Voilà, t'avais pris combien de temps pour apprendre à jouer au piano? 4 ans. 4 ans. C'était facile? Oui, un peu facile. D'accord, ça va les amis. Alors, j'ai envie, je fais venir les amis parce que ce sont, si vous le voyez très bien, je pense que il y a personne qui a plus de 20 ans. Personne peut-être qui a 18 ans, donc ce sont les jeunes, mais qui font très bien leur boulot. Alors c'est important de vous exposer les talents de nos amis. Alors il est temps peut-être de nous faire ce que vous avez préparé. D'accord? D'accord. Merci, c'est parti. La vie est parfois douce, même s'il est des fois cruelle. Elle mérite se débarrasser de ses doutes et crier tout haut, la vie est belle. La vie est parfois douce, même s'il est des fois cruelle. Elle mérite se débarrasser de ses doutes et crier tout haut, la vie est belle. La vie est parfois douce, même si elle est des fois cruelle. Il aimerait se débarrasser de ses doutes et crier tout haut, la vie est belle. Peu importe les mots, fonce, ne t'arrête pas face à la pluie. Il est temps de reprendre les flambeaux, la vie merdique, c'est fini. Plus il s'éloigne de sa bravoure, plus il a l'air de tout lâcher. Et à l'horizon, il voit une portion de valeur, mais sans espoir, il veut tout gâcher. L'espoir, c'est l'assurance du cœur. L'espoir, c'est une solution en moitié. Il apaise nos douleurs. Allez, jeune, lève-toi et prie. Nous avons encore besoin de toi, le monde vacille. Je sais que ça ne sera pas facile, mais il est temps de guérir les blessures. Allez, jeune, lève-toi et prie. Nous avons encore besoin de toi, le monde vacille. Je sais que ça ne sera pas facile, mais il est temps de guérir les blessures. Allez, jeune, lève-toi et lutte pour tes causes. Je sais que la vie ne paraît pas toujours rose.
au Saheli dans tes yeux cette explosion de potentiel et cette force qui bouillonne en toi. C'est sûr que tu n'es jamais pareil de foi, mais ne te laisse jamais faire croire en toi. Jeune, ton guerrier, personne ne pourra t'en empêcher. Avance malgré le mur, je sais que tu peux y arriver. L'avenir est une moisson qui rassure notre lendemain. C'est à nous de nous prendre mais dans la main. Veillons, c'est une masse force, c'est trouvant dans nos dons. Allez jeune, lève-toi et brille. Nous avons grand besoin de toi, le monde facile. Je sais que ça ne sera pas facile, mais il est temps de guérir les blessures. Allez jeune, lève-toi et brille. Nous avons grand besoin de toi, le monde facile. Je sais que ça ne sera pas facile, mais il est temps de guérir les blessures. La vie est parfois douce, même si elle est des fois cruelle. Elle mérite se débarrasser de ses doutes et crier tout haut, la vie est belle. La vie est parfois douce, même si elle est des fois cruelle. Elle mérite se débarrasser de ses doutes et crier tout haut, la vie est belle. Désillusionne, vas-y, fonce, ne t'arrête pas face à la pluie. Il est temps de reprendre le flambeau, la vie, mère, dire c'est fini. Désillusionne, vas-y, fonce, ne t'arrête pas face à la pluie. Il est temps de reprendre le flambeau, la vie, mère, dire c'est fini. Femme, lève-toi et prie. Nous avons grand besoin de toi, le monde vacille. Je sais que ça ne sera pas facile, mais il est temps de guérir les blessures. Femme, lève-toi et prie. Nous avons grand besoin de toi, le monde vacille. Je sais que ça ne sera pas facile, mais il est temps de guérir les blessures. Femme, lève-toi et prie. Nous avons grand besoin de toi, le monde vacille. Je sais que ça ne sera pas facile, mais il est temps de guérir les blessures. Femme, lève-toi et prie. Nous avons grand besoin de toi, le monde vacille. Je sais que ça ne sera pas facile, mais il est temps de guérir les blessures. Voilà, bravo. C'est quoi le titre de cette chanson? Le titre c'est « Jeune, lève-toi et brille ». Voilà, important. Merci beaucoup pour cette chanson, son, le message, c'est vraiment fort. Là maintenant, c'est Keren qui va faire sa chanson. C'est ça, c'est ta chanson? Oui. D'accord, alors on va vraiment t'écouter tranquillement, Keren. D'accord? Oui. D'accord. Enfant solitaire, enfant souffrant, enfant vivant dans la rue. Enfant solitaire, enfant souffrant, enfant vivant dans la rue. Il veut aussi avoir une famille, mais le temps ne le permet pas. Kwa kuko sani akuto saidi, ona sasa tuna shinda barabara ni tuna teseka. Nos parents nous ont laissés, nous ont jeté sans même voir nos droits. Ils nous ont abandonnés sans attendre nos voix. Wana tu ita wizi, wama ibobo, wana tu fukosa, na koto gopa. Tu na kosa vya pula, na kogara gara, mutani ndo kazi tu. Tuna teseka, tuna teseka, tuna teseka. Ils disent que nous sommes l'avenir.
alors qu'ils se méfient de notre misérable vie. Ils ne veulent pas nous nourrir parce qu'ils bénéficient de notre souffrance. Parmi nos tas d'orphelins, victimes des traumatismes causés par la guerre, rejetés par le tas, d'autres abandonnés par leurs parents, tout n'a été ses corps. Oh, 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 oh. Toi, on va m'outouler, qui c'est mon avelé, awa toto en Guinée. Riem Keren, merci pour cette chanson, surtout message, il y a comme son chanson. Dis nous le conspiraka pour que vous composez chanson. Ça il y en a qu'à bato te venir bah orphelin bah na tesek nchona mini kase ma nyandi que du coup va soutenir. Important, voilà. Là maintenant, on va passer par qui? Marie. D'accord. Marie, tu vas nous faire un slam, c'est ça? Oui, je vais faire l'islam. D'accord. On t'écoute, Marie. C'est vrai que la vie est fragile. Elle nous prend nos êtres chers. On devrait être avec eux à cette heure. Vivre ensemble ces moments sur terre. On n'arrive plus à lutter pour franchir cette immense barrière. Et là on attend des cris de douleur. Nos villes inondées par les ruissellements des larmes. Nos cœurs emportés par cette soif de paix. Au fond de nous, il y a toujours cette voix qui chuchote que tout ira mieux. Celle qui adoucit nos corps nous rassurera qu'il y a une étoile au bout du tunnel. Le temps arrive où ça sera plus en vain. Cultivons l'amour et on aura la paix qu'on veut. Merci Marie, c'est ce que j'attendais. Voilà, alors très 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 mélancolique et tout. Voilà, c'est tout. Je dis bravo aux gens qui vous forment. Voilà, c'est fort déjà ce qui se passe avec vous. Donc bravo à Lil Bipiano et Bukondo Arangi pour le travail, c'est énorme. On va alors découvrir aussi Jemima. Tu veux aussi nous faire l'islam? Ouais. D'accord. Ça te fait quoi quand genre t'es artiste, ta petite série artiste? Vous venez dans une famille artistique? Non, pas vraiment. Ah ouais? Ah ouais, alors qui vous avez alors donné ce goût là de l'art et tout? Ben c'est, je peux dire c'est notre cadreur. Qui? Lilbi? Piano, ah. Et aussi moi, celui qui m'inspire beaucoup trop, c'est Bukondo Wahangi. Voilà, ouais. Tu le vois au quartier en train de chanter, tu t'es dit voilà, moi je veux faire la même chose. Quand il slam. Ouais, important. Alors, on va alors t'écouter. L'espoir est une arme, cette voix intérieure qui nous répète que tout ira bien, qui nous capacite et retient nos larmes, qui arrive à nous apprendre à faire mieux.
L'espoir est une preuve du courage, cette immense guerre de la vie. L'espoir nous donne la réussite malgré l'âge, qui nourrit nos cœurs en assurant notre survie. L'espoir nourrit dans nos plaisirs perdus, dans nos peines passées, oui, il y a encore une lueur d'espoir. Il est calme et patient comme un océan et guérit un cœur en détresse. Dans l'immense ténèbre, il fait briller son ombre, contrairement aux autres quand il fait sombre. Vous direz sûrement que je suis un peu bizarre, mais je crois faire ce qui est la loi. La vie n'est pas un jeu du hasard, faut bien faire ses propres choix. L'espoir, c'est une preuve du courage. L'espoir, c'est une solution à moi, Dieu. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Hein. Bravo, Pierre, vous avez l'attente de faire. Et voilà. Alors, je veux savoir, Jamie, ben, c'est quoi ton plus grand rêve? Tu veux être qui réellement? Moi, ouais. Premièrement, je vais être une grande artiste. Bien sûr. Comme ouais. Qui? Comme qui? Comme les artistes, par exemple, Grand Corps Malade. Ouais. Ouais. Il y a d'autres, comme De Paul Bakulu. OK. Bukondo Wahangi. Mm-hmm. Et Lil B Piano. Très bien, voilà. Et toi, c'est pas pour toi, Keren? Keren, toi, tu veux être qui réellement? Moi, ouais. Je veux être une grande artiste. Ah ouais. Oui. Et qu'est-ce que tu fais déjà pour devenir la personne que tu rêves de devenir? Je chante. Mmh. Et tu travailles fort? Oui, tu t'exerces chaque fois? Oui, je travaille fort. Ouais. Et je m'exerce pour devenir une grande artiste. Est-ce que la famille, tu as le soutien de ta famille? Oui. Ah, ok. Et toi Marie? Oui. Ta famille te soutient? Oui, ma famille me soutient. D'accord. Mes amis, merci beaucoup. Merci d'être passé. C'est pas avec votre académie. Est-ce que vous avez des projets? Il y a quelque chose que vous... Vous préparez bientôt? Il y a quelque chose où bientôt vous allez encore passer pour nous annoncer ce que vous préparez? Oui, bientôt nous allons passer pour vous annoncer. Ah d'accord, c'est vrai, nous vous attendons. Nous vous attendons sérieusement, les amis. Et merci encore une fois. Et courage, courage pour ce que vous êtes en train de faire. Merci. Merci, un plaisir de partager ce moment avec les amis. Bientôt encore une fois, je pense que les amis vont passer pour... nous donner peut-être des rendez-vous, carrément pour nous annoncer quelques sorties de leurs nouvelles chansons. Il y a quelqu'un qui a déjà enregistré une chanson ici? Il y a quelqu'un? Ou carrément vous êtes en train de travailler? À la prochaine. Voilà, c'est encore. Oui. Voilà, c'est vrai, nous sommes impatients. Nous sommes vraiment impatients de partager un moment avec vous. Sinon, merci d'être passé chez nous. Merci aussi. Merci et on se retrouve à la prochaine.